Seule idée, Père, afin de t'adorer, de te louer, de t'exalter, Père. Nous remercions au matin, Sauveur fidèle, laisse-nous avoir une opportunité pour nous capables d'en présence au matin. Hein. Merci, Sauveur fidèle, où tu gardes nous tout au long de cette semaine écoulée, Père, à travers nos activités, à travers le travail, non, à travers, oh, sous vos machines, dans le local, dans l'express, Père, pendant nous t'avons assisté et gardé avec pas mal d'accidents, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu qui t'en a passé, mon Dieu, à mes fortes et à bras étendus, oh, Papa, où t'es gardé nous, où t'es protégé nous, où t'es couvri nous, et matin, avec un cœur de reconnaissance, nous lever, non, matin, hein. Nous glorifions, nous exaltons, nous avons toute gloire, tout honneur à vous-même et à vous-même seul. Comment, mon Dieu, ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'exalter, ô Dieu? Comment ne pas te louer pour tes multiples bienfaits, mon Dieu? Envers chaque petit au matin, c'est à côté gardé pendant ce maintenant. Et, mon Dieu, dès le début d'une nouvelle semaine, Papa, ou renouveler grâce pour nos matins, pour nous là, ou renouveler grâce pour nos matins, pour nous dormir, lever et lever. Vivant matin en présence pour nous adorer, non, pour nous louer, non, pour nous exalter, non, pour nous acclamer, non, car non, pas à nous éternel, non, pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, Seigneur. Comment pour ne pas ta louer, non, comment pour ne pas ta chanter, non, oh Papa, laisse nous garder tout son fait, laisse nous garder qui est souillé dans vie, non, laisse nous garder manifestation dans vie, non, laisse nous garder jamais. Nous, j'en conduis nous, laisse garder, j'en courir nous, Papa. Pas que l'autre monde qui est capable de faire ça, que vous-même, Papa. Oh, malgré ta santé, nous, malgré faiblesse, nous, yo, Sauveur, malgré faillite, nous, yo, malgré péché, nous, yo, malgré désobéissance, nous, yo, malgré iniquité, nous, yo, Papa, malgré langage, nous, Seigneur, malgré ça, nous perdons temps, tendez à garder. Mais, Seigneur, vous levez bonté au bout de nos matins. Et vous faites nous grâce, Papa, pour nous en présence au matin, pour nous chanter, non, pour nous glorifier, non, pour nous acclamer, non. Non, oh mon Dieu, pas que l'autre créature qui méritait adoration, pas que l'autre nom qui méritait honneur, pas que l'autre nom qui méritait lever, que le nom de Jésus. Et matin, nous comptons dans ce que c'est, non, Papa, n'a pas levé. C'est au même bon Dieu qui n'a glorifié matin, c'est pas un parent, c'est bon ami, c'est bon relation, c'est pas ça nous posséder. Parce que tout a passé, mais le Dieu qui nous a rachetés, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a élus avant la fondation du monde, c'est vous-même qui avez adoré matin, mon Dieu qui a vivé dans nous, c'est vous-même qui avez chanté matin, n'a pas d'autant pris laver nous, purifier nous, blanchir nous, nettoyer nous et dépouiller nous, Père, pour nous lever nous, pour nous adorer matin, ainsi pour nous offrir un parfum de bonne odeur, matin. Fini dans la salle là pour qu'on doit l'atmosphère ça. Pour toi le building ça, mon Dieu. Pour toi le sacré d'adoration, chaque membre la donne. Pour toi nos musiciens. Pour toi le leader de eux et leur famille. Pour toi chaque homme, chaque dame, chaque rémon qui est entré la matin, qui est entré en bas contrôle ou que tout ça qui part en bas contrôle ou disparaît, Père. Que tout ça qui pas venu à idée pour lever non, pour exalter non. Que vous faites silence, Papa, au nom de Jésus. Que le monde visible fait silence devant présence, que le monde invisible fait silence devant présence, car ton nom seul est élevé, ton
nom seul est élevé, ton nom seul est élevé, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, par l'autre nom que vous, que nous devons adorer. Matin Seigneur, chasse toute force qui bat de vous, élimine tout esprit qui bat de vous, assoupis, papa, toute cette parole pour le venon, au nom de Jésus, et fais de nous, Père, de vrais adorateurs, capable de matin en esprit et en vérité, papa, que nous nous vivons, dans la présence, que nous vivons, la caillou, parce que tu es le Dieu vivant. T'en prie, Père, fais-nous grâce. T'en prie, Père, mets-nous dans conditions qui font plaisir. Comme ça, nous-mêmes, papa, d'abord, nous va agréable à vous. Et chant nous, y'a pas de valeur. Levez mes nous, y'a pas de valeur. Adoration, nous, y'a pas de valeur. Parole, ou tout ce qu'on fait matin, à travers ce service, y'a pas faire ma dictée, cet esprit, ou papa. Et si nous va dire, t'es bon, t'es agréable pour nous, t'es là matin, parce que t'es dans mi-temps, non, parce que t'es visité, non, on doit visiter nos sauveurs matin. La mode va toucher, la mode va guérir, non seulement spirituellement, mais aussi bien que physiquement. On va toucher, Père, toucher nous dans le corps, toucher nous dans le brain, toucher nous dans la zone, toucher nous dans la veine, toucher nous dans le sang, toucher nous dans le cœur, toucher nous dans le poumon, dans tout système qu'on met dans le corps. On va toucher nous, Père, tout anomalie, dans le brain, dans le sang, dans le sein, dans le rein, dans le kidney, dans la veine, dans la terre, dans le système endocrine. Nous, tout système comme maintenant, nos pères, que nous renouvelons matin en santé. Et si vous adorez le Dieu vivant, Père, agis dans mes temps, nous, Père, fais merveille, fais miracle au milieu de nous, car côtoyez la vie, côtoyez grâce, côtoyez une action qui a opéré, côtoyez un miracle qui a opéré. Matin, viens opérer dans mes temps, nous, viens agir, papa, pendant que vous êtes là, tout en fatigue, que vous êtes là, mon Dieu, accablé, que vous êtes là, en tristesse, que vous êtes là, avec l'eau dans les yeux, qui est venu, oh papa, qui a lutté avec une maladie, que l'homme est incurable. Mais devant vous-même, papa, par une maladie incurable, devant le nom de Jésus, toute maladie courir, devant le nom de Jésus, tout esprit de maladie coupé, au nom de Jésus, et à Chinamitano, mettez la vie dans le peuple matin, mettez la vie dans le peuple matin, la vie, la vie, la vie de Dieu dans la salle, la vie de Dieu dans le nom, la vie de Dieu dans le cœur. La vie de Dieu dans nous, papa, car c'est mon cas vivre, ça va adorer, c'est mon cas vivre, qui doit louer, et on dit dans la parole, que tout ce qui respire, loue l'éternel, matin qu'il y a vivre, matin, pour nous chanter, non, peu importe la difficulté, peu importe les embarras, mais nous voulons lever, non, papa, parce que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, touchez nos pères, blanchis-nous, sanctifiez-nous, et envahis-nous à présence, parce que c'est bon Dieu, nos pères. Fais-nous grâce et remplis-nous avec l'esprit. Sanctifie-nous, oh Dieu, par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est là notre prière, Père, qu'elle a adressée à nous. Dans notre sauveur, Jésus, qui a vivre et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ou même qui vivant matin, dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, malgré son senti qu'a pas nous, la main dit béni soit l'Éternel. Sa vignette sorti pour fermer bouchoua, dit béni soit l'Éternel. Sa kabata konon kola kopa ka chante, dit béni soit l'Éternel. Volé piro parcel, dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Frère Sam, sa nombre nous kap domino là, qui faut pas entrer dans la présence mon Dieu, dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gardez maladie, gardez tête chargée. Qui est un monde qui gros passé, qui est un monde qui plus gros passé. Ça dévonne, dit papi, ok mon Dieu. Maladie ou là, dit papi, grand que mon Dieu. Miracle qui dévonne, dit papi, ok mon Dieu. Crie béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Tête chargée, là, le piro, le papi, problème ou le papi, maladie, le papi, maladie curable ou naturel ou surnaturel, yo youn papi wo, yo youn papi grand, yo youn papi wo, yo youn papi puissant, que mon Dieu, crie béni soit l'Éternel. Alléluia, 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 dis à l'Éternel qui est Dieu.
c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est bon Dieu, notre bon Dieu. Oh yeah, pas adorer comme ça. Mais adorer avec confiance et assurance dans mon Dieu. Parce que Paul a dit, monde qui mettait en Jésus, ils ont confiance qui sans mes yeux. Ils sont capables de chanter tomber. Mais ça a besoin d'assurer que délivrance, guérison, et assuré. C'est bon Dieu créer moi avant. C'est lui qui forme moi avant. Tout ce qui ne pas marcher bien encore pour te le bali. C'est lui qui forme moi avant. C'est lui qui met kidney en dedans. Vous êtes comme ça? Ah, mais si il y a un problème, il a remplacé le pour dormir. Il a remplacé le pour adorer là. Je ne sais pas si croit dans bon Dieu. Je ne sais pas si niveau foi dans bon Dieu. Je ne sais pas si vous gardez faire voir là. Vous faites acte de présence. Même dans chaque fois, vous avez un bon Dieu. Vous avez son besoin. Saisir son besoin. Donc, pas où est moun, où est même et bon Dieu. Ou même et bon Dieu. Car notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore et il ordonne que nous soyons puissants. Ton Dieu ordonne l'église que tu sois puissant. Est-ce que vous comptez la matin? Est-ce que vous comptez en présence de mon Dieu matin? Il est doux, il est agréable pour nous la caille, bon Dieu, pour nous venir lever non là. Pendant que frère a crampé là, pas ouais frère Vincent, mais ouais bon Dieu matin. À nous accorder nous ensemble avec même cœur, même esprit, frère et soeur. Pas de problème, surtout jouer figuier, frère Vincent, devant, c'est pour un temps. Car c'est le temps pour le frère Vincent camper pour la gloire de Dieu. Chaque bagaille content. Chaque bagaille content. Content de combien de temps je suis capable de camper là encore, frère et soeur. Mais pendant que je suis temps, bon Dieu, je vais profiter pour lui. Ou qu'à vivre, on va camper encore. Ou qu'à vivre toujours, mon pas qu'à compte moun encore. Ou qu'à vivre toujours, ou qu'à moi fait pampa avec, ou qu'à pas qu'à lever encore. C'est moun qui a mis manger dans la bouche, ou malgré jou ap kale. Ou pas qu'à venir jouer l'église, pas vrai? Pendant qu'on a pour qu'à camper devant bon Dieu pour danser, Parce qu'on a qu'à dé, puis on l'a croisé, pas qu'à décroiser. Pour qu'on ait une bouche ouverte pour chanter la gloire de Dieu. Parce que ces frères, vous ne chantez pas, ouais, c'est un pas chanter pour pas chanter. Don't care about saying, you are your own God. You got your own God. Bon Dieu, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu. Li, c'est bon Dieu. Pau. Donc, pendant qu'on ait temps pour adorer bon Dieu, adorer bon Dieu. Parce qu'on a une bouche dans le pas qu'à ouvert encore. C'est tube à mettre pour manger. Jouer à la voix. On va adorer, bon Dieu. Pas oui, qu'à prêcher matin. Prédicateur sous la pardon. On va aller, on va faire psaume 138. On va les paroles ça ensemble pour la gloire de Dieu. Adorer, bon Dieu, pendant bien temps. Man, grand bon rété. Man, si c'est dernier mois, si c'est dernier anneau, ben, m'a dû adorer, bon Dieu. Vous avez besoin d'Haïti, non, pour prendre balle, man. Vous avez besoin d'Haïti. Vous avez besoin d'Haïti, non, pour kidnapper. Vous avez besoin d'Haïti, non, pour kidnapper. Yo, yeah, frère, c'est pendant qu'à là, on a temps toujours adorer, bon Dieu, profiter le temps, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Monde l'en chaviré, frère, c'est mais on même entré plus fond, bon Dieu. Monde l'en tête en bas, on qui programme, on a pour. Après, on a un bon sac, on a pour. Profitez ton même. Préparez-vous. On allons ensemble. Somme 138, nous souhaitons rejoindre. On nous lit ensemble. Nous commençons. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans son saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue comment, par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô
Éternel, en entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin. Quand je marche au milieu de la détresse, qu'est-ce qu'il a fait? Tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Salut yon frère, salut yon sœur matin qui beaucoup tout là. Sou pas trop coquette, sou pas trop marronné, trop grand. Car l'Éternel voit les humbles, il bénit, mais les orgueilleux le gardent de loin. Mais on même pas de loin, ou de près, frère, ici. Ou de loin, oui. Mais bon Dieu, mais non, puis près. Appréciez yon frère, appréciez yon sœur, appréciez yon l'autre, appréciez yon l'autre. Après 8 jours, ou pas trop, après 15 jours, ou pas toi elle bon maintenant des sigue mon aille après un mois ou elle bon Dieu benoît mon Dieu benou cher bon ouais apprécier gain c'est sous 15 jours là parce que chaque 15 jours il là papi me content papi bon Dieu benou papi bon Dieu benou amen amen si qu'on visa là pas habitué ouais mais pas quitter l'étranger pas quitter le sentir c'est étranger non pas que étranger là caille bon Dieu il vienne salut elle amen amen salut elle la faire pas amen bon Dieu béni nous, saluez chaque frère yo, saluez sœur yo, frère et sœur, c'est la caille bon Dieu yo, ou pas étranger, si on l'autre qui sent l'étranger, saluez-le, si on l'autre qui problème pour le boire à collade, saluez-le, si on l'autre qui va à manger même monde, saluez-le, c'est pour qu'elle gagne la vie, Roman, mais pour qu'elle gagne la vie. Amen. Pendant que la vie, pendant que la vie dans les toujours, pas dans boîte de coucher pour être loin, approcher. Oui, l'aile dans boîte, on ne peut pas approcher. On va être de loin pour un petit coup pour parler, pour garder. Mais apprécier. On fait qu'on va habiter là, qui font plaisir, qui n'adorent avant, en chérie l'homme, content, chaque frère, content, chaque sème, content, quelle adoration, mon Dieu béni, non? Nous vraiment coquette, Alex est là, ma fille, Alex est là. Amen. Mon Dieu béni, nous, Mika, content, amen, nous saluons chaque soeur, nous saluons le directeur de la radio-télévision céleste et sa famille, nous saluons moi et ma maison, mes amis qui avec nous saluons nos pasteurs et leur famille. Donc, babizalti, nous, tous mes amis, même saluer tous à la gloire de Dieu, mon pasteur Fritzner Dupiche, que nous saluons et sa femme, et nous disons, bon Dieu, bénis-nous, c'est vous, l'étier ou moi, là, me saluons, bon temps, pour que 10 ans va essayer de l'avoir éclaté le vide dans mito well one yeah nous comptons essayer là bon Dieu bénis nous l'église amen oui les mariés oui nous saluons les mariés dans mito nous là les mariés oui nous saluons les mariés dans son d'adoration mes amis nous saluons les mariés bon yo dit que y a font grève yo font camper. Parce que 15 jours là, il travaille, donc il est fatigué. Et puis matin, il vient adorer, bon Dieu, matin. Amen. Mec, je nous porte fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Servis bon Dieu les mariés. Servis bon Dieu. Pas avant mariage, pas après mariage, mais pour tout le temps. Servis bon Dieu, frère Pierre. Oh oui, c'est noir. Mais même quand tu as bien servi, c'est Pierre, bon, tu parles en pile. C'est Pierre, continue à servir bon Dieu, continue à travailler bon Dieu. Merci bon Dieu. L'emblée, non, fouille, c'est Pierre. La paix. Bon Dieu, bénis-nous. Madame, content. Merci, cher. Merci. Amen. Salut, chaque frère, mon frère et soeur. Ça n'a fait à l'album, frère et soeur. Ma mère prend pile de temps pour me chanter. Non, mais ça a bon. Ça a bon. Est-ce qu'elle est bon, frère et soeur? Oh oui, ou pas sentir qu'on délâche la pression, mon. Ou pas sentir la vie en don, hein? Amen. On va continuer à lever nos à travers les numéros 595 français. Des chants d'espérance, suivi de 7 créoles. Des chants d'espérance à la gloire de Dieu. 595 français, des chants. Chant d'espérance, suivi de 7 créoles. À la gloire de Dieu, à tout cœur, nous, à nous lever, nos sauveurs, à matin. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma
foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Sorry, ma foi, dans dit mon campé. Donc, si vous voulez faire tout service à Chita, c'est pas mal. C'est la position qu'on choisit, donc pas de problème. Donc, si c'est moi qui vais le campé, tu vais. Eh bien, nous allons à la gloire de Dieu. Pam, 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 pam. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse, immense, que ferais-je sans toi? Oui, chaque jour, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin.
présence où nous bénissons, Seigneur, nous exaltons au Papa, nous glorifions, Seigneur, pour ta présence. Présence où c'est tout nous, mon Dieu, présence où c'est ciel là pour nous, présence où c'est la vie nous, présence où c'est réconfort nous, présence où c'est médicaments nous, présence où c'est sérum nous, présence où c'est Papa. Présence où c'est toute force nous, présence où c'est tout ça nos besoins, présence où c'est tout ça nos désirés, présence où c'est tout ça nous chercher, présence où c'est tout ça nos besoins, dans situation yo c'est présence où, devant problème yo présence où, devant maladie yo c'est présence où, devant être chargé yo c'est présence où, à tout le monde qui joue dans la main au papa, yo connaît coup présence où, et ça fait nous pas négocier présence où pour rien. Négocier pour amis, nous pas prendre négocier pour relation, nous pas négocier pour l'argent, nous pas négocier pour un caille, nous pas négocier pour une machine, nous pas prendre notre ciel pour renommer, nous pas renoncer mon Dieu, nous pas négocier présence pour rien, pour personne mon Dieu, car sans présence nous pas gagner vie. Matin t'en prie au Dieu. Rempli la présence où, rempli la présence où, mais le corps n'a pas sommeillé, mais que nous rempli la présence où, c'est temps pour nous vivre dans la présence où, c'est temps pour nous remplir la présence où, papa, sur la machine, nous besoin présence où, en de machine, nous besoin présence où, notre travail, nous besoin présence où, l'ennemi entouré nous, l'ennemi en barricadé nous, l'ennemi encerclé nous, papa, c'est dans la présence où nous voulons être, car c'est la caille où nous bien, c'est là où nous protéger. C'est là où nous bien garder, c'est là où nous couvrir, c'est là où nous cachons ma sangue, nous papa, nous cachons ma présence, où, et c'est là où nous jouons sécurité, c'est là où nous jouons protection, c'est là où nous jouons la vie, c'est là mon Dieu nous victorieux sur la puissance de l'ennemi, en dans présence, où, nous marchons de victoire et victoire, en dans présence, où, le bonheur et la grâce accompagnez-nous, en dans présence, où, nous marchons de triomphe en triomphe. En dans présence ou papa, miraille au tombé, pendant en dans présence ou la main au fond, c'est qu'elle est écrasée, tout est bouché, plein ennemi écrasé, filet au chiré, mais c'est tout autant, nous étant dans présence ou, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, Seigneur, que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons point atteints. Car le Dieu qui nous garde, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde son adoration chrétienne, il pape dormir, il pape Kabicha. La veille nous individuellement, la veille nous collectivement, la cache nous. Matin, que nous en présence au Sauveur. Oh Sauveur, vous nous mettez la caillou. Pour nous continuer à adorer. Pour nous continuer à lever nous. Parce que c'est bon Dieu, non. Parce que c'est berger, non. Au nom de Jésus. Amen. Juste avant, Chitan fait lecture ça. Moi, dans Jean chapitre 15, on a pris chapitre ça pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 15. Ouvrez la Bible, non. Si vous n'avez pas de chance de lire un chapitre pendant la semaine, bien, on va dire, vous avez dit dans l'église à 21, hein? À travers le livre de Jean, chapitre 15. On va couper le chapitre, on va appeler tout. À la gloire de Dieu. Sous confort à Pouchita, Chita. Hein? L'essentiel dans mon verbe biblou. Liarem. Liarem. Les paroles, Seigneur. Que l'Esprit bon Dieu ouvert Dieu dans chaque. Et percer mystère gain dans chapitre ça. Tout le monde joigne. Allons lire ensemble. Nous commençons Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus. Et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Ou avec lui depuis qu'il est dès le commencement. Même là, nous pouvons jamais prendre décision pour nous fléchir devant, mais il était quand à veiller nous dès le commencement. Merci, frère et soeur Kababchita. Kababchita avec le numéro 83, créole, nous réveillons-nous à la gloire de Dieu. 83, section créole, réveillons-nous à la gloire de Dieu. Chantez la gloire de Dieu matin. Ou t'es Metchita, oui.
Chita, on va faire tout service là, crampé. Pifon, pifon, moins prêt à aller. 83. Revenons dans la section créole. 83. S'il possible, nous allons chanter tout 18 échos des élus. Tout de suite après le numéro, ça 18 échos des élus. Après 83, réveillons-nous, section créole. Pom 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 Bifon, bifon, moins pralé dans l'amour Jésus sauvé. M'a cherché qu'on n'est pour qui l'été tellement remède. Pour qui l'élan j'aimais où était ma grand péché. Moins
Jésus précieux, ah, il est béni.
Thank you.
fête chita. Amen. Ou pas grand yon ka comparé à Jésus. Amen. 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 C'est ça, nous avons demandé, bon nous Jésus. Précieux sauveur-nous. Lipi douce. Amen. Nous encore dit bon Dieu merci et nous bâillons bon Dieu gloire, l'orange. Honneur les mêmes seuls mérités pour faveur et grâce qu'il y a accordé nous dès que nous encore dans le temple pour nous bâillons gloire. L'orange les mêmes seuls mérités. Nous voulons communiquer aux annonces pour ce maintenant du 23 au 29 juillet. Qui veut dire j'ai dit bye bye. J'ai dit bye bye et allez moi d'où t'apparaît. Amen. Qui veut dire second bagage pour faire c'est presser faire parce que je vais presser. Bien aimé, même pas connait si on même réaliser ça, on va regarder pour dimanche avant hier ou là puis c'est comme ça ouais dimanche ça paraît. Je vais courir. Je vais courir. Pas gain monde qui ca mettre foin là-dedans yo. Parce que grand accouchement doit faire. Et va vrai bien aimé. Amen. Amen. Nous sentir l'air à pas approcher. Ou même qui de loin ou de près ou même tout qui attendait nous, qui garder nous, pas oublier Jésus a venu. Ou besoin préparer. Et comme matin nous t'attendait dans étude là bien aimé et tes conservantes qui te posent une question très importante. Puis ça l'évangile après l'enlèvement. Et comme pasteur Wiste bien expliqué le tout, et dernier bagage n'a dit servante l'a pas oublié après l'église enlevée, il sacré l'évangile du royaume. L'évangile du royaume que l'église pas prend pas là-dedans, mais surtout pour les Israélites. Pas oublié bien-aimé, on a besoin préparer. On besoin préparer, c'est préparation comment c'est fait jodia. Et pas demain si Dieu veut, pas l'autre année ou parce qu'on va continuer pour elle, mais c'est jodia. Et comme nous disons, nous avons après-midi à 5 heures, nous avons une réunion des hommes à Lévik Pendata. Côté nous connaissons tous les hommes, l'église la connaît, nous toujours réunis là à 5 heures pour nous faire visite et missionnaire. Nous encourageons aux mêmes qui feraient nous, qui sont avec nous, et au même tour, capitaine de nous, pas de cavine, pas de possibilité. Parce que nous connaissons pile monde qui dans travail qui attend des services là qui participer dans service là surtout pour les hommes nous encourageons à 5 heures joindre avec nous dans Lévik dans Pendant là côté nous allons visiter malades nous allons faire sacrer tourner missionnaire et nous dit bon Dieu merci d'être et nous gain quelques temps ça pas de fait à cause des circonstances et situations et pays a et mais bon Dieu fait n'a recommencer encore et mardi 25 juillet à 7h30 du soir nous avons un service de prière à l'église pour même qui membre l'église a pas jamais participé dans service de prière là c'est pas nous perdu nous même qui venir nous même qui venir dans service de prière et pas nous perdu c'est ou perdu parce que nous senti chaque mardi bon Dieu a fait gros grâce pas bon ici. Nous encourageons, jeunes avec nous dans ce sous-sol là, côté pour nous venir chercher présence mon Dieu et adorer le Seigneur et relayer devant le Seigneur pousser des cris. Et c'est dans un moment ça tout, nous jeunes possibilité pour nous prier pour tout problème, pour toute difficulté et surtout pour pays nous, pour nation nous, pour peuple nous et monde qui malade dans mi-temps nous. Nous encourageons mardi si Dieu veut. À 7h30, nous attendons pour venir prier ensemble avec nous. Comme moi, je toujours répété, je ne vais pas faire une répétition abusive. Je dis aux chrétiens, pas adoré. Chita simplement, prend habitude de venir à l'église, l'être capable dimanche matin seulement. Dimanche matin seulement, pour une petite bout de messe. Comme moi, ici, nous ne pouvons pas l'Austrie. Et même si c'est pendant, il y a bail la Sainte-Seine. Ou elle. Moi même fois me dit ça quelques fois dans cette scène me remarquer quelques bagailles et fois me dit ça lié écœurant pour elle mon fin prend cette scène dans ville virer dol. N'a surveiller sous ça surtout membre l'église là. Si vous faites ça plusieurs fois,
n'a pas oublié jour joindre avec vous pour demander est-ce que c'est la scène seulement on vient prendre et nous croyons que vous devez participer dans tout ça qu'a fait l'église là parce que l'église c'est l'église pas c'est l'église pas ses affaires pas liées on les frères Chamélis comme frère Yvinson se dit là nous les nous pas camper là c'est ou même cap camper ou bien petit ou cap camper jeudi 27 juillet à 7h du soir n'a bien étude avec serviteur nous Pasteur Wiss sous ligne. Et nous encourageons bien-aimés, pas oublier, samedi 29 juillet, nous avons une grande journée récréative de l'Église. Et côté que nous croyons que tout le monde qui a participé dans la journée, ça, depuis jeudi et mardi, c'est le dernier délai pour participer pour bail. Quel monde qui demande combien de journées à journée, c'est 0 à 13 ans, 0 à 13 ans. Qui veut dire depuis petit monde qui fait à 13 ans, la payer $15. Pas gain mort là-dedans, pas gain mort dans journée ça. Vous connaissez haïtien qui a habitude quelquefois aller là prend et camionnette là, il dit mon mort. Mais dans la journée, ça nous va pas accepter mort, c'est $15. Et pour surtout, de pour commencer à 14 ans, alors qu'il y a des gens qui ont retiré sous l'âge, ou pas qu'ils ont retiré sous l'âge, de pour gagner 14 ans, ou pas payer $25 seulement. Son frère de participation, bien aimé. Parce que boss yo les nous louer, ils ont un paquet de corps. Moi-même, j'ai approché surtout dans la compagnie de travail. Ils m'ont dit n'importe, ça dépend de combien de mains ils vont courir. Ils m'ont dit n'importe $1,000 pour louer un boss qui va même gagner quelquefois, qui va même gagner air conditionné. Au revoir, c'est comme ça qu'on a encouragé bien aimé, joindre avec le staff qui a dirigé le comité d'hommes et le président d'hommes pour qu'il y ait participation. Et nous ne pouvons pas envoyer peut-être l'église pour participer. Nous t'avons dit samedi là, nous pas t'avoir envoyé peut-être monde l'église pas participer et nous t'avoir tout le monde qui voulait pour passer un moment ensemble et nous croyons que au disponible pour jouer avec serviteur nous pour kabay et participation. Et nous devons tout battre un coup de main tout avec surtout classe de la jeunesse hier qui était dans Six Flags. Qui était passé un bon moment. Je déjeunais avec eux, je parlais avec eux. Je dis que je passe un bon moment. Quand ils ont participé dans Six Flags, et bon Dieu te fait gros grâce. Et ils sont allés, ils sont retournés sans danger, sans problème, sans difficulté. La jeunesse a bougeonné dans le temps nous. Amen. Amen. Et nous croyons que, bien-aimés, tout le monde qui membre l'église là, député membre l'église là, et nous voulons ou t'arraler cahier pour mettre ça dans le calendrier. Qu'on a presque pas de cahier encore, presque c'est plus dans le téléphone, dans le smartphone, mettez-le dans le schedule le 26 août à 6h moins, à 6h du matin pour 6h du soir. C'est chaque année nous faisons le bien-aimé. Et il y a des gens qui sont venus en retard, pas même jouer une place. Nous avons 6 pour 6. Qui date nous dit le 26 août 2023. Mettez-le dans le calendrier pour ne pas dire que vous n'êtes pas contre ça. Et si possible, tout le monde joue dans le travail. Et d'ordinaire, nous toujours prenons pile précaution. Les nous réunis dans le calendrier, nous regardons, nous toujours connaissons et week-end. Off moun l'église. Nous faisons une façon pour tout le monde qui a participé 6 pour 6. Nous avons de 6h du matin à 6h du soir. Il y a quelquefois qu'on arrive à 6h du soir. Pour nous-mêmes qui n'est pas habitué là, ce n'est pas payé d'entrée. Il y a quelquefois qu'on 6h, 7h, nous ne pouvons pas aller. Il compte 6h, 7h, il laisse à moun à demander pour nous adorer, pour l'orange. Nous encourageons, c'est chaque année nous faisons le bien-aimé. Nous ne pas faire chaque semaine. C'est ça que nous invitons tout le monde de l'église. À moun ou pas là, dit ou pas oublié le 26 août. Nous attendons pas bon ici 6h du matin pour 6h du soir. De pour revenir à 6h 5, c'est qu'on est à 5 minutes, ou à bon Dieu 5 minutes. Et on a joué l'église à tout parce que c'est même l'église à Bado, on doit là
à l'heure. Et l'autre bagaille nous a pas encouragé pour surtout pour et jeunes 6 pour 6 là, malgré c'est dans mois d'août là c'est pour très bientôt qu'a venir là, nous voulons bien aimé encourager tout le monde. Longtemps et nous t'ai qu'on gagner une série de conforter pour jeunes, nous t'ai qu'on dit monde pas venir à conforter. Pas venir avec sac. Pas venir parce que nous t'avons établi en bas. Mais ces derniers temps, nous pas tellement gagné en pile. L'eau vient à un confort, pas prendre pour tête ou même ou plier le même 5 fois. Et puis pour faire un matelas pour dormir. La paix, bon Dieu, avec vous. Et nous, ou même tout pas porter tout, ou même qui pas porter tout, l'eau joint confort à terre, là, il était corps. Est-ce que nous t'en samedi ça? Parce que nous avons gardé dans 6 pour 6 bien-aimés, il y a des gens qui ont déjà coincé col pour tête, ils pas porter, ils ont gen moun tout vini avec pal la li plié le même 3 fois en pile tout non ou matelas en pile chita sou li jou ça nous tout a ouvri conforter nous mesdames yo pote gros drap pote conforter en pile pour nous ouvrir dans toute salle là chaise yo son remarque me fait dans plusieurs 6 pour 6 chaise yo c'est pour moun qui gen problème back c'est pour moun qui pas ka chita à tête plate c'est pour moun qui pas ka plonger devant bon Dieu. Il y a des gens qui ne cachent pas trop à terre. C'est pour ça, chaise yo. C'est pour ça, sous besoin pour appuyer d'eau dans mi, vin bonnet. On va dire amen. Sous besoin, vin appuyer d'eau. Il y a des gens qui cherchent à appuyer d'eau, vin bonnet. Laissez-moi jouer nous place dans le coin pour vin bonnet. L'autre bagaille m'a dit bien aimé. Ça était curant pour sous sac, il y a des gens qui ne pas retirer les sandales, qui ne pas marcher sous sandales là. N'a mandé ou dans 6 pour 6 ça pas lié. Bon Dieu t'a mandé pasteur une consécration spéciale. Nous mandé toute l'église à tout membre l'église à c'est pour y consacrer. Sauf les frères Chamélis. Seulement peut-être sous gon maladie ou pas cap faire jeûne. Sous malade ou cal pour bagaille derrière. Mais jour ça c'est pour faire effort consacrer jour ça. Ou connaît son seul jour le pape tuyo. Il y a des gens qui font 3, il y a des gens qui font 21, il y a des gens qui font 40, il n'y a pas mouru. Nous t'en disons ça, m'a dit à l'église, la paix, mon Dieu, avec vous. C'est pour jouer ça depuis la soirée où vous commencez à consacrer. Les nous t'en disons là, nous t'en toujours dit, mon yo, depuis où elle passe 8 heures pas manger, go manger. Ça commence à préparer ou à consacrer pour travail mon Dieu. Et l'autre bagaille encore, bien-aimé, l'on lever demain matin, fait tout effort pour lever bonheur pour baigner. Vous entendez ça me dire? Gen moun n'importe si chaleur transpire. Vous comprenez? Et l'on fin baigner mettez bon parfum sous, bon crème pour les moun chita bokoto là. Pour odeur corps pas imposer la douleur. Nous t'en dis ça m'a dit on met pas à répondre ça qu'on rive la paix bon Dieu avec moi même c'est moun qui gagne pied me transpirer me toujours mettre chaussettes propres vous donnez ça me dit là si c'est consoyé tout prend petit précaution tout pour les moun nan bon koto là pour kab adorer bon Dieu avec liberté. Et chaque lundi nous connaît nous dit ça chaque jour lundi à mercredi, vendredi, nous gagnons de 11h AM à 12h30. Nous gagnons encore prière, moment de prière avec souligne avec les dames de l'église. Pour même qui est première fois entendre ça, n'a encore dit au café numéro 585 184 86 65. Et code number c'est 08 01 22. M'a répété le pour encore 5 8 5 1 8 4 8 6 6 5. Et on va faire code number c'est 08 01 22. Chaque vendredi de 5h à 7h, nous avons une spéciale émission sur radio et télévision céleste. Côté nous avons un président là, nous avons encore serviteur, nos frères
Alors, je vais vous donner permission pour me dire Frère Daris. C'est Frère Jean-Renel, il connaît bon ici là, mais c'est un gros comédien tout lui-même et un gros animateur tout, comme tu as dit matin avec un serviteur, il dit encore bon Dieu fait un paquet de grâce, un paquet de dons et surtout dans la technologie, bon Dieu il a aidé tout bon ici là. C'est comme ça nous gagnons là avec nous dans l'église là, c'est comme ça nous gagnons dans moment ça qui n'a annoncé là que ses frères Mario Paul avec ce Marie Michel Paul qui encore gagné bien aimé moi et ma maison dans l'émission ça on va encore faire 360 398 45 48 pour cap participer dans l'émission maintenant nous connaissons bien très bien. Et nouveau couple là li dépassé toute présentation mais n'a demandé au camper côté matin yo là vin adorer avec nous côté yo té uni yo dans le lien du mariage nous bay bon Dieu des que frère Claude kounia c'est pas sœur Edline encore c'est la sœur c'est Claude c'est Pierre. Amen. C'est un plaisir encore d'être quoi avec nous. Que mon Dieu bénisse nous. Que mon Dieu cap jeter grâce et bénédiction pour nous. Et nous disons bonne adoration. Et pas oublier l'église sans adoration chrétienne. Nous situons dans 4520-26 Benet Street. Et sous ta dans Philadelphia, ou à panique fait 1935, koto va participer avec nous chaque dimanche, chaque mardi et chaque lundi. Si nous gagnons moun la matin, c'est pour la première fois, ou entrer dans l'enceinte, ça, c'est la première fois tout, ou visiter nous, et nous mandons, va mettre au debout, par organe moins, frère Charmelus, et nous gagnons le centre d'adoration chrétienne qui est dirigé par pasteur Fritzner Dubich, va encore faire connaissance avant. Nous gagnons, nous gagnons deux mounes, nous avons l'autre encore, nous gagnons troisième encore, ça l'église fait. Amen. C'est comme ça nous dit bienvenue. Et nous avons commencé surtout les dames d'abord. Nous avons commencé avec vous, ce qui est devant. Nous avons dit nos noms, qui est invité et qui est sorti. Saint-Ania. Ok. Oh, c'est Sœur Oliette qui est invitée. Mais on dit mon au sud Cavaillon, mais est-ce qu'on est ici pour quelques jours ou des passages? Ok, ou vient pour ici, ou de Philadelphia. Qui veut dire place ça, ou mettre ton sticker sous lit pour nous pas jamais parler encore. Que bon Dieu bénisse, l'église a dit bienvenue. Que bon Dieu bénisse, la paix avec vous. On a commencé à jeune demoiselle là. C'est Kenya. Mm-hmm. Gloire à Dieu. Amen. Nous comptons d'être avec nous. Que bon Dieu bénisse. Et que bon Dieu, j'étais grâce. Même nous ne croyons pas la dernière fois. Nous avons encore jeune frère ça. Michael. Vous sortez à Haïti? C'est qu'on pas invité. Nous sentons contents que bon Dieu continue de bénir frère Michael. Alors, comme on va dire frère Michael, moi je dis frère Michael. Que bon Dieu bénir. Et nous t'as souhaité sous soupoko frère, avant de quitter l'église là, je n'ai avec nous. Nous allons au chemin comment pour frère boy ici là. Que bon Dieu bénir Michael. Là. C'est un plaisir. Nous battons bravo pour vous. La paix et la grâce de Dieu avec vous. Et nous dit tout, l'église là gagne. Et une ligne de prière, comme si pour moun qui de loin, qui n'est pas peut-être cap vini dans l'église là, ou cap fait 701 802 53 56. Et ou cap fait 701 802 53 56. Et immédiatement, on entre, on fait code nombre, c'est 51 51 8 79. C'est sous même numéro ça tout, on va participer dans l'étude nous gagnons chaque jeudi. Et comme en pile monde qui sur YouTube, qui participant ça va avec nous matin, dans Facebook, et nous on dit, que bon Dieu, dans grâce, qui a protégé, que bon Dieu, qui a gardé, et que bon Dieu béni, la paix et la grâce de Dieu avec vous. Ah,
Amen. À qui il est beau de voir des frères heureux d'un même amour uni entre eux. L'Esprit de Dieu, tu les éclaires, heureux tu les embrases de tes feux. Leur chant pieux et leur prière comme un ensemble de champilleuse et la prière, oui, comme un encens monte aux cieux. Est-ce que l'acclamer Seigneur pour ceux et frères qui n'ont mis dans nos matins, hein? Est-ce que vous dites mon Dieu merci pour ceux-là qui font plaisir, qui visitent au matin, hein? Et qui sortent la caille, qui sortent la caille. Nous souhaitons bienvenue dans mes temps, non? Que bon Dieu béni pendant un petit moment qui a passé avec nous, à passer avec nous. N'a pas juste essayé de rappeler que les deux numéros qui sont chatés pour prier là, c'est le numéro Zoom qui est lié. Vous avez bien pour monter sur Zoom avec le premier numéro, deuxième, numéro 6, chiffre qui est le bas. C'est code pour entrer sur Zoom non, pour être capable de prier, adorer ensemble avec Damio. Et si vous avez vu tout, vous avez une caméra pour mettre un quoi sur lui. Si vous voulez, tout parce que moi, c'est qu'on a demandé aux besoins de figure. Juste songez, mettez-vous conformément avant de faire. Vous ne pouvez pas faire miracle sur le réseau. Il y a des miracles qui sont faits sur YouTube. Là. Donc, nous ne pouvons pas faire aucun miracle parce que nous n'avons pas besoin de miracles. Donc, préparez-vous pour apparaître. Bah, et pas faire un coup de cerveau qui est toujours caché lui-même, il va en préparer. Mais attendons à la gloire de Dieu. Pas oublier, après une journée pour centre d'adoration chrétienne samedi, si Dieu veut. Déplacement, c'est à 9h. À 9h, à déplacer. Donc, nous croyons, président, à partir de mardi, si Dieu veut, pas qu'il y ait entrée, qu'il y ait fête encore. Donc, pas de problème. Nous prêts à aller pour la gloire de Dieu, pour aller enjoyer dans un petit moment. Ensuite, toujours avec bon Dieu, nous prêts à aller, nous tourner avec bon Dieu pour nous continuer à servir bon Dieu. Donc, nous avons invité, même qui ne comprend pas, ou bien qui a fait ça, ou doit faire pour participer dans la journée. Ça, mardi, c'est la clôture finale. Clôture finale. Pour que nous participions à la dernière partie, non, pour jeûner ça. Bon Dieu, bénis nos frères et sœurs. Pas oublier, bon, pas simplement là pour prier, jeûner seulement, mais là pour aider tout ensemble avec vous et avec sœurs. Comme ça, on connaît plus de vous, on connaît plus de moi, tout va vrai. Toujours, frère, ça a des envies. On micro, on va me faire une pièce liée. Laisse ma chita, nous dialoguer, nous bailler, blague. On va prendre mon ritou. On va toujours passer mieux, mais on laisse seulement. Bon, les bon ritou. Ok, mon Dieu béni nos frères et sœurs, c'est bon, on a continué à adorer Seigneur, ya, dans bon moment ça, mais cette fois-ci, c'est avec dîmes et offrant nous qu'on va l'adorer, bon Dieu, dans bon moment ça. Donc, n'a pas de pas lever dans bon moment, tout autant pas vrai, yon dans mon sa, nan porte l'arrivée devant bon moment, yon faut signe pour camper et laisser ça. Évitez pour lever, venir déposer, pour encourager le travail de Dieu dans l'assemblée, ça, dans le centre d'adoration chrétienne. Et nous passer avec vous pour le processus, ça, parce que que d'adoration, hein, à chanter un morceau spécial ensemble avec nous, à la gloire de Dieu. Trust in you, oh Lord, oh Lord, Jehovah.
Merci mon Dieu pour grâce li, pour faveur, bonté, miséricorde li. Nous disons mon Dieu merci pour toute merveille qu'il a fait dans mes temps. Et nous remercions mon Dieu grandement et nous apprécions Maestro Evenson dans mes temps.
Nous apprécions aussi l'équipe de louange là. Nous apprécions les. Brother Johnny. Brother Johnny, God bless you. You done good. And Brother Johnny, you play that jump. You kill that jump. May God bless you. Hallelujah, hallelujah. Nous merci, bon Dieu bien-aimé. Et pas venir venir jouer au coup. Bible, aucun monde n'a fait crédit, but enjoy yourself. You get me? Bible, aucun monde n'a fait crédit, but enjoy yourself. Time is short. Very short. Pas aller pour dire, I don't enjoy myself enough. I love to enjoy myself. Like I told my wife, I'm not grand moon. I say, I already tell my wife, let this on the paper. Let everything on the paper. But I am young. May God bless you. Bien aimé, li bon, li agréable. Que là, je prends des papiers, sinon papiers arrêtés. 68 ans et quelques, on n'a pas pied. But I feel strong and ever. I feel strong and young. I keep my mind refreshed every day. Pour moun qui habitue le computer, I'm updating myself every day. Le bon Dieu gloire pour amour les bontés, miséricorde. Bien aimé, moi, mit soin ça, malé, car docteur, moi, mit nous, monsieur qui a 93 ans. Il dit, moi qui a 93 ans, but don't you dare call me old man. Il dit, à 93 ans, moi conduis machine moi propre. Il dit, quand moi j'ai deux flops, monté 5-6 fois par jour, et mettez un pile monde en arrière. Il a dit, mais keep yourself young. You hear that, Freddy Fish? You hear that, Freddy Fish? You young. Donc, bon Dieu, merci, vous avez dit, mais faites-vous content dans le Seigneur. Car malgré les jours mauvais, mais Christ est avec nous. Horrible. Donc, bon Dieu, merci, vous avez dit, mais nous saluons même quand vous écoutez-nous à travers radio et télévision, nous saluons dans le précieux de Jésus-Christ. Nous saluons même tout. Regardez-nous sur Facebook, sur YouTube, nous saluons. Et nous disons, Kébela, je livre en slant pas trop loin. Kébela, je livre en slant. Kébela, je livre en slant. Let's do it together. Et c'est matin. Oh, jusqu'avant, nous voulons saluer matin la présence de la Sainte Victoria dans le temps. Ne laissez pas Victoria camper moi. Levez Victoria en l'air. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Nous disons merci pour la présence de Victoria en mi-temps. Et tous les hommes qui visitent nous pour la première fois, nous comptons le Seigneur. On nous prie, bon Dieu. Sauveur, éternel notre Dieu. Ô Père, comment ne pas te louer pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous remercions encore matin, papa, de fait que certainement tu es avec nous. Nous ressentons toujours ta présence avec nous. Nous te demandons d'accepter notre adoration comme la fumée du monde auprès de toi pour parfumer ton royaume, Seigneur Dieu. Nous te remercions parce que tu es le vrai Dieu. Il n'y a pas comme toi, il n'y en aura jamais comme toi. Nous te disons merci pour tes multiples bénédictions dont nous sommes l'objet. Nous demandons au matin, papa, dans l'amour, on va que Dieu bénisse l'œuvre, bénisse le travail au Seigneur Dieu, bénisse ton église, car elle n'est pas la mienne, mais c'est la tienne, Seigneur. Bénis l'église, ça. Afin que papa livre toujours un centre d'adoration, un centre de louange,
une place parfaite, que tu trouves un endroit où puisse se reposer. Car c'est Dieu, Salomon, personne l'a construit après avoir construit le temple, dit déclarer, papa, est-ce que réellement qu'a habité nos cailles? Parce que papa, alléluia, ciel a trop petit pour, terre a trop petit pour, mais nous demandons maintenant habiter ici dans cette maison. Nous demandons, papa, dans mon fini, de bénir personne, non seulement l'église centre d'adoration chrétienne qui est ici à Philadelphia, mais centre d'adoration chrétienne à Moinsard et aussi à Bakounoua. Nous demandons, papa, touchez nous. Nous nous remercions premièrement pour ce vitoyo qui est déposé dans le panier. Nous nous remercions, papa, alléluia, pour l'équipe de louange et notre bien-aimé frère, papa, et Vincent Joseph. Côté bénin, papa, donne-le plus d'onction, papa, afin que nous-mêmes, serviteurs, papa, nous carrions davantage. Nous te demandons une fois de plus de nous remplir avec son esprit, c'est ton serviteur qui va parler de ta part, de le bénir de avec lui. Nous te demandons toutes ces grâces, nous en vertus, je méritoire, mais au nom de Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Une fois de plus, bien-aimé, c'est un plaisir d'avoir avec nous encore ce matin notre bien-aimé frère et pasteur Élisée Lampo. Mais juste avant, frère pasteur Lampo, nous voulions vivement saluer le nouveau couple. Frère Claude et Saint-Claude, maintenant, ils ont officiellement leur ami Tianyo, comme on était dit à soeur. C'est seulement que nous allons dire, frère Evelyne, c'est Evelyne. Alors, tout le monde, c'est Claude, frère Claude. Qu'est-ce que nous faisons? Amen. C'est Élisée. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur. Amen. Êtes-vous content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Et ce matin, il nous a renouvelé encore sa bonté. Il t'a renouvelé sa bonté. Parce que son amour pour toi est si grand, si profond, si large. Veux-tu l'acclamer pour un instant? Alléluia. 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 Alors, j'aimerais dire merci, merci au pasteur Dupich, à son épouse et à tout le comité de l'Église pour l'opportunité qui m'est donnée encore de me tenir sur cette chaire pour partager avec vous les oracles de l'Éternel. Alléluia. Veuillez vous tenir debout et nous allons lire le premier verset, les deux premiers versets de la Bible. Genèse chapitre 1er. Alléluia. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Premier verset, je lis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen.
Père, merci pour ce moment solennel. Nous prions que ton bon esprit illumine nos cœurs et parle à chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu parce qu'un jour, nous avons décidé de livrer notre vie au Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et la Bible dit que lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie, qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit que Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Amen. En d'autres termes, nous avons changé de compagnie. Nous avons changé de territoire. Nous avons changé de royaume. Alléluia. Et puisque nous avons changé de royaume, cela veut dire donc que nous devons apprendre comment vivre ou comment fonctionne le nouveau royaume dans lequel nous sommes, à savoir le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, il est de notre devoir d'apprendre comment fonctionne le royaume de Dieu. Comment est-ce que le Dieu que nous avons choisi de suivre, comment est-ce qu'il fonctionne? Et c'est pour cela dans Proverbes, le chapitre 4, verset 7, il est dit, « Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Amen. La version anglaise est encore, je dirais, plus claire. « With all thy getting, get understanding. » Obtient quoi? La compréhension. Frères et sœurs, la compréhension est très importante même dans les choses spirituelles. Alléluia. Alors dis avec moi, Seigneur, ouvre mon intelligence. Illumine mon intelligence. Donne-moi de comprendre tes préceptes. Amen. Amen. Alors, dans le texte que nous venons de lire, qu'est-ce que nous en prenons? Vous savez, nous avons été beaucoup introduits au Dieu Jéhovah Jiré qui pourvoit, n'est-ce pas? Celui qui pourvoit à nos besoins. Celui qui répond lorsque nous crions à lui. Le Dieu qui entend les prières et le Dieu qui exauce. Mais ce n'est pas tout. Dieu est aussi le Dieu El Shaddai, celui à qui rien n'est impossible, n'est-ce pas? Notre Dieu, c'est le Dieu qui sauve, c'est le Dieu qui guérit. Gloire à son nom. Mais souvent, nous avons négligé cette autre nature de Dieu, à savoir que Dieu est un Dieu souverain. Dis à ton voisin, Dieu est souverain. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? La Bible nous présente Dieu et nous donne une information. Mais il ne nous donne pas d'explication. Pourquoi il créa les cieux et la terre? Pas d'explication. Nous sommes seulement informés qu'au commencement, Dieu était là et il a choisi par lui-même. Il a décidé dans sa souveraineté de créer toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Mon frère et ma sœur, si tu veux vraiment progresser avec Dieu, tu dois accepter cette nature de Dieu, à savoir qu'il est souverain. Et puisqu'il est souverain, les Haïtiens disent que bon Dieu, c'est grand monde. Alléluia. Dieu, c'est grand monde. L'y fait salver, l'élevé. L'y pas besoin d'une explication. Parce qu'il est Dieu.
Il est Dieu, il est Seigneur, il est souverain. Et beaucoup de fois, nous attendons des explications de la part de Dieu. Nous disons, pourquoi Seigneur? Pourquoi je traverse par cette vallée? Pourquoi ceci se manifeste dans ma vie? Pourquoi telle chose ne va pas? Pourquoi les autres avancent plus que moi? Dieu est souverain. Dans Romains chapitre 9, Dieu dit, j'ai aimé Jacob. J'ai haï. Waouh. Bon Dieu, c'est grand monde. Lui fait salver. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Est-ce que les deux avaient déjà péché? Est-ce qu'ils avaient posé un acte? Ils étaient encore tout petits. On dira dans l'innocence, n'est-ce pas? Mais Dieu, dans sa souveraineté, a fait un choix. Et on ne discute pas avec les choix de Dieu. Parce que Dieu, c'est bon Dieu. Dieu est souverain. Alléluia. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de jalouser tes frères et tes sœurs. Tu arrêtes de convoiter les biens des autres. Lorsque tu comprends la souveraineté de Dieu, tu apprends à te contenter de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Je ne me compare pas à autrui, mais j'accepte ce que Dieu m'a donné. Alléluia. J'ai choisi, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï. C'est la souveraineté de Dieu. C'est pour cela, tu peux voir un frère ou une sœur, ou même un serviteur de Dieu. Tu dis, mais ce pasteur, je suis plus instruit que lui. N'est-ce pas? J'ai plus de connaissances que cet homme. Mais ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui établit. Quelle que soit sa petitesse, il est le choix de Dieu. Quel que soit son niveau d'instruction, il est loin de l'Éternel. Et lorsque j'apprends cela, qu'est-ce que je fais? Je m'humilie devant le Seigneur. Alléluia. Et plusieurs ne reçoivent pas de la part de certains serviteurs de Dieu parce que vous vous comparez à eux. Parce que vous les sous-estimez. Et puisque vous les sous-estimez, vous ne pouvez plus bénéficier de leur grâce. Il est dit, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevrez la récompense. Alléluia. Donc si tu acceptes cet homme de Dieu en qualité d'homme de Dieu, pas en qualité de ton ami, pas en qualité de mon frère biologique, pas parce qu'il vient de la même famille, pas parce que nous avons grandi ensemble, non. Mais en le voyant, même si tu le connais dans le passé, même si vous avez été enfants ensemble, mais tu reconnais le bras de l'Éternel sur lui, alors tu es prêt à bénéficier de son onction, de sa grâce et de son ministère. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de fois, nous avons ces problèmes en tant que communauté évangélique. Le danger, c'est lorsque nous nous habituons à l'homme de Dieu. C'est un risque. Jésus, le Fils de Dieu, il opérait des miracles partout, dans les villages, guérissait les malades, chassait les démons.
un jour, il retourne dans son village natal. La Bible dit qu'il n'a pas pu guérir. Il n'a pas pu faire des miracles là-bas. Pourquoi? Parce qu'il le connaissait. Il disait, oh, n'est-ce pas le fils de Marie? Il a grandi ici avec nous. Son frère n'est-il pas Jude? Son frère n'est pas un tel? La familiarité. Évitons la familiarité avec les hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Jésus ne devienne pas un personnage familier pour toi. Que le serviteur de Dieu ne devienne pas un personnage familier. Sinon, tu vas manquer certaines grâces, certaines bénédictions. Alléluia. Alléluia. La souveraineté de Dieu, c'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui établit. Lorsque je reconnais la souveraineté de Dieu, j'apprends à reconnaître le bras de l'Éternel dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je les apprécie. J'admire ce que Dieu fait à travers leur vie. J'admire ce que Dieu fait dans leur famille. J'admire le fait que Dieu fait progresser, réussir ses enfants. Alléluia. Je me réjouis avec ceux qui se réjouissent. Au lieu de le convoiter, au lieu de le combattre, au lieu d'essayer de le détruire, de venir avec toutes sortes d'histoires, force sur ce frère, sur cette femme, sur cette famille, je bénis le Seigneur qui les élève. Alléluia. 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 Et je me contente de ce que Dieu m'a donné. La parabole des 5 talents. Dans cette parabole, nous voyons le maître distribuer. Est-ce que c'est les serviteurs qui ont demandé le nombre des talents? Non. Qui a décidé? C'est le maître qui décide. Le choix revient à Dieu. Alléluia. Le choix est établi par Dieu lui-même. Le maître a donné 5 talents à un. Ensuite, 2 talents. Il a même sauté 4. Il a sauté 3. Il donne 2 talents au deuxième. Et finalement, 1 talent à l'autre. Frères et sœurs, ce n'est pas tellement la quantité que tu as reçue qui importe, mais ce que tu fais avec ce que tu as reçu. Alléluia. Parce qu'à la fin, lorsque le maître revient et qu'ils font les rapports, nous voyons, il dit, bon et fidèle serviteur au premier. Au deuxième, vous voyez, 5 talents, on passe à 2 talents, nous avons le même résultat. Bon et fidèle serviteur. Alléluia. Mais celui qui avait reçu le moins, lui, il a été jugé plus sévèrement. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas tellement la quantité que tu reçois. Ce qui est important devant Dieu, est-ce que tu es fidèle? Avec le peu que tu as reçu, avec la grâce que tu as reçue, est-ce que tu es fidèle? Ce n'est pas le fait de se tenir avec le micro devant l'église qui est important. Non. Et je crois qu'au ciel, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Parce que nous regardons à ceux qui sont... Nous regardons selon les yeux, n'est-ce pas? Ceux qui sont devant, ceux qui ont la voix,
ceux qui ont la foule, etc. Gloire à Dieu. Mais c'est la fidélité qui est importante devant le Seigneur. Et c'est pourquoi je crois bien que nous verrons une ménagère au ciel être plus récompensée que quelqu'un qui prêchait la parole. Si elle est fidèle dans ce qu'elle a reçu. Alléluia. Quelqu'un qui exerce l'hospitalité dans la cachette devant le Seigneur, tu seras bien récompensé. Si tu es fidèle, si tu es fidèle, si tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, si tu es un bon gestionnaire de la grâce que Dieu t'a donnée, alors tu seras apprécié, tu seras élevé. Alléluia, alléluia. Que personne d'entre nous ne soit confus au jour du jugement. Alléluia, alléluia. Que nous soyons tous fidèles, fidèles à Dieu, et que nous fassions prospérer, multiplier ce que nous avons reçu. Amen, amen. Donc nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Deuxième chose importante, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Alors Dieu est le fondement de tout ce qui a été fait par la suite. Dieu est la base. Ça veut dire qu'avant le commencement, il y avait Dieu. Amen. Dieu était là avant le commencement. Mais au commencement de toutes choses, Dieu était déjà là. Donc, ce qui a été créé, le ciel, la terre, tout l'univers, a pour fondement le Seigneur Dieu lui-même. Et j'aimerais te poser la question, qui est ton fondement? Ou qu'est-ce qui est ton fondement? Frères et sœurs, lorsque Dieu n'est pas le fondement, le résultat, c'est la confusion, c'est le chaos. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, surtout sur les réseaux sociaux, vous regardez ce qui se passe dans la vie réelle, c'est étonnant. À tel point que les gens n'ont même plus la définition. Tu leur demandes qu'est-ce qu'une femme? Ils ne savent plus comment définir une femme. Et c'est un véritable débat. Il y a une grande responsable qui est passée devant le Sénat, on lui demande de donner la définition d'une femme, il ne pouvait pas. Elle-même, c'est une femme. Elle ne pouvait pas donner la définition. Oh, ça dépend. Ça dépend. Puisque maintenant, des hommes deviennent femmes. On poursuit la question, mais est-ce qu'un homme peut faire un enfant? Ils disent oui. Ils répondent oui. Pourquoi? Parce que le monde est à l'envers. Le monde est dans la confusion. Pourquoi dans la confusion? Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Et quand on abandonne Dieu, il n'y a plus de moralité. Au commencement, Dieu.
Dieu doit être le fondement. Alléluia. C'est le fondement qui soutient toute chose. C'est la fondation qui soutient toute chose. Bien sûr, on ne voit pas la fondation du bâtiment, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il n'est pas là? C'est grâce à cette fondation que toute la maison reste debout. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas visible à l'œil nu qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas là ou qu'il n'agit pas. Alléluia. Qui est ta fondation? Dans tes décisions, quel est le fondement de tes décisions? Qu'est-ce qui est à la base? Et même nos foyers, nos couples, mariages, qu'est-ce qui est le fondement? Nous avons beaucoup de problèmes de division parce que beaucoup ne sont pas sur la bonne fondation. Monsieur, madame, si toi personnellement tu es attaché à la fondation qui est Dieu, si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, si tu as la crainte de Dieu dans le cœur, et toi, madame, si tu as la crainte de Dieu dans le cœur, quelles que soient vos divergences, vous allez toujours arriver à un point d'entente. Parce que tous les deux, vous avez la crainte de Dieu. Parce que tous les deux, vous vous soumettez à Dieu. Parce que vous êtes sur le bon fondement. Alléluia! Est-ce que tu es sur le bon fondement? Qu'est-ce qui est ton fondement? Qu'est-ce qui est ta fondation? Bien-aimés frères et sœurs, je crois que le Seigneur nous interpelle tous et toutes aujourd'hui. Oui, sans fondement, rien n'aurait été créé. Nous nous attendons à de grandes choses. Bien sûr, Dieu va créer. Il va créer le ciel, la terre, la végétation, les luminaires, etc. Mais tout cela est basé sur le Seigneur Dieu lui-même. Amen. Alors, si tu exclus Dieu, comment est-ce que peux-tu t'attendre au miracle? Si Dieu n'est pas premier dans ta vie, si Dieu n'est pas le fondement, comment peux-tu voir la manifestation de son bras de délivrance dans ta vie? C'est pour cela, dans Matthieu, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement, ayez pour fondation, alléluia, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. C'est le domaine où Dieu règne en souverain. C'est le domaine où Dieu a le premier mot et le dernier mot. Alléluia. Dans un royaume, nous avons un roi, et un roi n'est pas un président. Parce que le président est voté, le roi n'est pas voté. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas affaire à un président, tu as affaire à un roi. C'est pour cela qu'il est souverain. Et quand tu viens dans son royaume, tu te soumets aux règles du roi. Ce n'est pas un parlement qui vote les lois. C'est le roi qui établit. Alléluia. Parce qu'il est souverain. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cela veut dire, je me soumets au roi des rois. Je me soumets au Seigneur des seigneurs. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, je me soumets tout simplement et j'obéis. Alléluia.
parce qu'il est mon fondement. Et ce matin, je vais me limiter là. Je vais me limiter là, mais j'aimerais que chacun de nous, en quittant ces lieux, puisse retenir ces deux points très importants. La souveraineté de Dieu dans notre vie. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Quand il le veut. Et comme il le veut. Alléluia. Et moi, je me soumets à sa volonté. En retour, je dis simplement, Père, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et c'est ce que Jésus a expérimenté pendant les dernières heures de sa vie dans ce monde. Dans le jardin de Gethsémané, il a prié, il a voulu changer la situation. Mais finalement, il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire, non pas ma volonté. Oh Dieu, je m'efface. Alléluia. Je me soumets à ta volonté. Que tes désirs deviennent réalité dans ma vie. Que ta volonté seule s'accomplisse dans ma vie. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur Dieu nous soutienne tous. Qu'il vous accorde la force spirituelle, pour pouvoir avancer et progresser avec lui. Dans les bons jours, dans les bons moments, comme dans les moments difficiles, que tu avances avec le Seigneur. Que tu dises, oh, je ne reculerai point. Alléluia. Je ne tournerai pas le dos au Seigneur des Seigneurs, mais je continuerai à avancer avec lui. Comme Jésus, je veux rester fidèle jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sur ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour quelques secondes, font-il fermer mes yeux, frères et sœurs. Et pensez sur parole, ça y est, au saut de côté. Qui est-ce qui fondement la vie, au frère moi? Ce qui fondement au campé, frère moi, soeur moi. Décision à prendre, soit décidé, dans la vie spirituelle ou dans la famille, dans le temps, dans le travail ou à faire. À qui fondement ou à prendre? Est-ce que nos bon Dieu glorifie? Est-ce que le roi des rois a joué une gloire là-dedans? Décision à prendre en famille, en frère, soeur. Est-ce que le roi de gloire, c'est lui qui a triomphé, c'est lui qui a levé la donne? Qui décision à prendre? Est-ce qu'on a violé les principes du roi et puis pour faire part au passé? Hein? Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Qui distance ou est frère, qui distance ou est sœur, ou même qui dit ou c'est mon bon Dieu, ou même qui dit ou c'est chrétien.
Est-ce que simplement l'on en sentant ou chrétien, l'on dehors, ou en bas on l'autre loi, ou en bas on l'autre règne? Est-ce que vous avez encore première place pour première décision dans le moment ça? Dieu de bonté et de miséricorde. Mais nous, coubine bien bas des fonds matin. Car ou apprenons encore que tu es souverain. Cela nous aide, Père Saint, à ne pas poser des questions sur le déroulement de notre vie. Parce que, papa, il est écrit avant la fondation du monde où tu connais nous. Nous réalisons, Seigneur Dieu, lorsque nous avons grandi dans la ville Port-au-Prince, où tu as gardé nous. Nous réalisons, papa, où tu as un pile projet pour nous. Car tu as déclaré par la bouche de ton serviteur, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Cela nous reste à comprendre ce matin, Seigneur Dieu, si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à toi. C'est parce que, papa, tu l'avais confectionné avant la fondation du monde. Cela nous laisse à comprendre, papa, Seigneur Dieu, nous pas qu'à pire parce que autant mettez nous. Nous pas qu'à pire bas parce que autant vous mettez nous. Nous demandons au papa dans la vie, nous, dans nos vicissitudes, aidez-nous à comprendre, Père Saint, ou faire sauver ou c'est grand monde. Et papa, comme nous avons grandi, Père Saint, dans le pays d'Haïti, nous ne sommes pas jamais de grand monde pour ça. Même les que nous ne sommes pas contents dans ça, nous demandons. Et papa, puisque tu es le roi des rois, Père Saint, nous n'avons rien à dire que c'est Dieu que ta volonté soit faite. Père Saint, les capables de venir là, mais je veux là, c'est comme ça le bon. Les capables de venir là, mais je veux là, c'est comme ça le bon. Aide-nous, c'est Dieu, à prendre cette leçon ce matin que tu nous as donnée à travers ton serviteur. Pour nous accepter dans toute notre vie que tu es souverain. Et dans ta souveraineté, Père Saint, alléluia, on fait sauver, l'ouvrir, j'ouvrir. Aide-nous, papa, à vivre et à accepter, Père Saint, parole saillot. Aide-nous, papa, matin, pour suspendre goumen avec vous-même, c'est Dieu. Parce que, papa, qui hauteur, permettez-nous, parce que vous êtes là, nous ne pouvons pas l'évangile encore. Et ça, pour que vous notez ça. Dieu nous bénisse ce matin, ceux qui nous écoutent à travers la radio et les réseaux sociaux. Dieu les bénisse ce matin et à partager, Père Saint, ce que tu nous as dit ce matin. Bénis-nous, Père Saint. Bénis ton Église. Bénis ton Église. Nos façons qu'on vit là. Nous te demandons toutes ces grâces au nom et par la méthode de Jésus-Christ. À lui seul pour la gloire, l'honneur, la puissance des siècles. Amen. Et donc, debout la bénédiction. Que bon Dieu, dans l'amour, il garde nous. Que bon Dieu, va nous force et courage à accepter sa volonté. Que bon Dieu, fait nous des milliers de la caille. Que bon Dieu, fait nous la tête et nous la queue. Que bon Dieu, vive dans nous et marche victoire en victoire. Non seulement pour ce matin, mais jusqu'à ce qu'elle vienne et prendre nous. Au nom de Jésus-Christ, qui a vécu, qui a régné, pour tout en guettant. Amen. Maranatha, Maranatha, on applaudit le Seigneur pour sa parole. Anye pap ka fè yo anye, anye nan moun sa pap ka aten yo. Paske le Père kampe, le Fils kampe, le Saint-Esprit kampe. Come on! Pisse nabak mwen pa fè anye. Amen! Pisse nabak mwen pa fè anye. Pape anye yo. Come on, say.